Salut à tous, alors aujourd'hui je suis en haut du terril du Puy Sabatier près de Valenciennes, dans la forêt de Rhêmes précisément. Je vous montre les terrils aussi qu'on voit aux alentours. Donc un terril super sympa duquel on a vraiment une vue à 360 degrés, chose assez rare dans le département du Nord qui est quand même un département plutôt plat. Alors là ici je suis à l'observatoire et j'en profite pour faire une petite pause. Et donc je vous explique comment on fait pour la manière la plus simple du monde pour manger chaud en sortie. Alors là actuellement il fait un froid glacial, hein, il fait moins 12 degrés. Alors voilà comment je m'y prends. Donc en fait j'ai emmené une gourde type gourde militaire avec le quart qui est emboîté dans le fond de la gourde en fait. Donc là je l'ai sorti. Et j'en ai un petit thermos d'eau bouillante. Donc j'ai fait bouillir à la bouilloire et je l'ai chargé direct après. Et donc j'ai mangé dans mon quart, enfin je prépare dans mon quart. Donc j'ai mis des nouilles type nouilles chinoises. Donc là ici ce sont des nouilles aux légumes. J'ai la cuillère qui va avec la gourde hein, d'ailleurs qui s'insère. On voit ici le quart est renfoncé, c'est pour mettre la gourde, enfin mettre la cuillère le long du quart dans la gourde. Hein. On voit ici, on retrouve le renfoncement ici pour la cuillère, enfin les couverts, parce qu'il y a cuillère et fourchette normalement, mais je prends que la cuillère. Et donc j'ai tout simplement mis des nouilles chinoises, l'eau bouillante que j'ai dans mon thermos et qui sera encore bouillante dans 6-8 heures sans trop de problème. Et là on va laisser agir quelques minutes le temps que les nouilles cuisent. Et le reste ce sera bon appétit, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!